Ouh là là. Ouh là là. On a pris quand même assez cher. Hein. On a le temps d'arriver là. Salut à tous, c'est Olsan, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Emworld. Épisode 12, 13, je sais plus, je suis perdu. Ça y est, on a enfin stabilisé notre petite équipe de colons. Je pense que on va continuer d'avancer un petit peu sur notre base. En sachant que Béraud devrait être recruté, je pense, très rapidement. Donc il va lui falloir une nouvelle chambre. Et on a préparé des chambres beaucoup plus spacieuses pour la petite paysanne là et Brico Girl qui sont deux personnes jalouses et qui ont besoin de grandes chambres. Brico Girl, on l'a prévenue, c'est la dernière fois qu'elle fait une rixe, sinon on la dégage. On n'aura pas de nouvelles chances pour elle. Donc elle est prévenue, je pense qu'elle va se calmer. J'espère en tout cas. Du coup, on a Doc et Brico Girl évidemment qui sont blessés puisqu'elles se sont mises sur la gueule. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Mais tout va bien. En plus, elle s'est pris un petit coup d'alcool quoi. Ok, il y a d'autres personnes là qui ont. Non, il y a qu'elle. Fou, elle me saoule. Elle me saoule. Bon, bon, elle est bourrée pour 3 heures. Ok, tout va bien. Donc, les contusions, fractures, contusions, fractures, cicatrices, perforations. Bon, écoutez, je pense que ça devrait aller malgré tout. Si on va faire une chose très importante que j'ai oublié de faire l'épisode d'avant, c'est mettre. Le minuteur, parce que on va sûrement encore s'enflammer et faire une vidéo qui va durer 3 heures. C'est pas ce qu'on veut. Ah, l'alcool est là. Ok, on va pas l'autoriser. J'espère qu'elle va pas devenir alcoolique. Voilà, vu qu'une fois, ça devrait le faire. Ici, le savant est en train de s'occuper de faire la recherche sur les armures plates. Donc ça, c'est cool. Ah, ça y est, Brico Girl, elle est guérie. Bon. Elle est toujours gay pour 1 heure, mais ça... qu'est-ce que c'est? Ah, Béraud, ça y est. Béraud est parmi nous. Alors, Béraud. Ouais. Béraud, ça va être... ah, en plus, il va nous aider pour la construction et ça va être notre mineur. Le mineur. Ça, c'est cool. On va lui organiser sa journée de travail de suite. Alors attendez. Non, il est home top, donc ça va. On va y mettre une petite heure de loisir à la fin, histoire de le mettre bien. Ici. Non, ça va mettre le nom. Repos, oui. Sport, oui. Manut, oui. Ensuite, geôlier, non, on s'en fout. Soin, on s'en fout. Cuisinier, on s'en fout. Chasseur, on s'en fout. Construction, on va lui mettre priorité 1. Mineur, priorité 1. On va peut-être même mettre 2 en construction et mettre 1 en mineur. Ok, forgeron. Et c'est tout ce qu'on va lui demander à notre petit gars. Et on va lui mettre le transport en 1 par contre. Non, le transport en 2. Comme ça, dès qu'il a fini de miner, il peut transporter des trucs. Et on va le mettre en nettoyeur 3. Parfait. C'est parfait. Il va falloir vraiment y faire une chambre rapidement. Et c'est peut-être lui-même qui va s'en occuper, donc ça c'est cool. Batterie nécessaire. Ouais, mais alors, les batteries, je crois qu'on n'y a pas encore droit.
pouvoir faire de la recherche d'abord. Ouais. Ça sera après la recherche. Boum. Ok. Okay. L'étagère, elle est peut-être pleine. Hein. Je sais pas. Fermière, elle ramène encore. Rico Girl, artisan level 8. Qu'est-ce qu'elle nous fabrique là? Un casque en métal. C'est cool ça. Ça c'est cool. De la bouffe, on en a pas tant que ça en vrai. C'est ça. Cuir de dromadaire. Donc ah bah il y a encore des alpagas. Oh il y a ah putain. Putain maintenant il y en a deux. Bon, on va annuler ça. On va prendre les meilleurs là. Ah, elle a pas d'arme elle. Lui il a carrément la bière sur lui là. C'est une blague. Ok, bah attendez, on n'avait pas équipé là. Le mineur déjà. Le mineur. 5 en mêlée. 14 en mêlée. 7. 8. 8. 12. Ok. Elle a une arme. Ok. Est-ce qu'il y a des armes de dispo déjà? Non, il n'y a plus rien. Donc, le paysan, on va le laisser là. Par contre, eux, et même elle, et eux, on va les mobiliser. Et on va aller se faire lui là. Ça m'inquiète. Hein. Ça m'inquiète beaucoup. Et où c'est qu'il y a le deuxième? Je sais plus. Non mais elle a un arc elle. Mais attendez, je comprends pas là. On les avait pas équipés à la base hein. Casse-couille ça. Oui, ça c'est curieux, ok. On va attendre que Olsan arrive avec son arc. Tu le suis pas, Olsan. Bon. Elle a pris des dégâts. Morsure. Ok, ça va le faire. Attendez, s'il y en avait un deuxième, il est où? Il est là. Il est loin.
Allez, venez. Ah, désolé, je suis un petit peu concentré là. Je parle plus trop. Et attendez. Ah non, c'est bon. Putain, ils sont en train de me tuer tout là, en plus sur la carte. Ça me fera de la bouffe au moins. Ah, mais il a bouffé le lapin, dis donc. Il va tirer en automatique ou pas là? Je sais pas ce qu'il me fait. Si, ça y est. Il fuit. Moi, où ils ont du mal. Je vais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dégâts là? Mort dans 23 heures, ça. Ouh là là. Ouh là là. On a pris quand même assez cher. On a le temps d'arriver là. Et pourquoi je peux pas? Les guérir, mais j'y arrive pas. Non, 7 heures. Non, 6 heures. Elle va soigner Olsan déjà. J'ai peur, c'est les deux là. Je vais médicaliser son lit. Bon. Attends, le doc là, il va falloir. Putain, mais. Oh non! C'est bon, le doc va s'en occuper. Ça va. Ouh. Ah, y a plus à bouffer. Putain, mais qu'est-ce que vous déconnez? Y a de la viande là. Putain, mais il est pas mort lui. Mais je l'ai pas achevé ou quoi? Quel con. Ok. J'ai complètement zappé de l'achever.
Ok, bon, d'accord. Sauf que le doc fait quoi là? Putain, mais tu me se. Alors, est-ce que elle, ça va? Oui, ça va. Girl, c'est normal. Par contre, qui c'est qui va chasser? Elle pourrait rien faire. Ça n'est esclave. Aïe aïe aïe. Ben, tu vas aller chasser toi en attendant. Bon, on s'est remis mal là avec cette histoire. Ah, et alors attendez, pourquoi Ambroisie? Pourquoi elle est pas stockée l'Ambroisie là? J'ai pas de lieu de stockage. Ah si, j'en ai mis là, ok. Ah, mais il y a peut-être pas assez de place. On va peut-être l'autoriser là. Momentanément. Par contre, il faut pas l'autoriser ça. Ouais. C'est un peu la merde. Hein. Ah, ça y est, il nous ramène à bouffer. Ouf. Enfin. Il était temps. On a failli perdre Brico Girl hein. Au final. Ça aurait peut-être réglé les problèmes. Ça va, niveau 9. Brico Girl, plus incapable de marcher. Ça c'est cool. Bon, elle est pas bien par contre. Reprendre sa massue, ça c'est bien. Le mineur, le pauvre, il dort par terre, il a toujours pas de chambre. C'est qui fait à manger là? Esclave? D'or et le doc. Et le doc. Le faire dodo. Bon là on a peut-être... Ah voilà j'allais lire. Je vais me faire à bouffer quoi. Non mais non non non. D'accord, tu... Attends, mais tu peux cuisiner autre chose qu'un truc raffiné, là. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Elle va filer à bouffer des trucs crus. Ils vont être mal. Voilà, tout le monde bouffe du cru là. Putain. C'est la merde. Qu'est-ce que tu vas miner maintenant là? Non mais je comprends pas. Le doc là. Cuisiner. Pas miner là.
faire bouffer quoi. Ça a bouffé quoi. Ah putain, c'était obligé ça. Ah, mais oh, t'as réussi à le plier là. Oh GG. GG Olsen, il est bon maintenant en tir. On va niquer cette dent hein, aussi. Et ce cochon d'Inde qui fait rien. Et cette tortue aussi. Ça aussi. On va chasser dans les alentours. L'orage. J'ai rien dit tout à l'heure, j'ai dit que Olsen était bon en tir, mais. Eh, 13 en tir, monsieur, quand même. Après, attention, il chasse une tortue aussi. C'est vachement rapide une tortue, faites gaffe. Hein. Ça, c'est cool, on a bien avancé là-dessus là. Qu'est-ce qu'on avait fait en recherche? Ah oui, on est sur les armures. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ah, ils nous ont demandé les batteries, ça serait cool de les faire, les batteries. Ambulancière. Objet échangé. Et ça c'est bien ça. On va pouvoir lui vendre peut-être ambulancière, peut-être que l'ambroisie ça va l'intéresser. Un peu de bol. Ils m'ont toujours pas fini et climatiseur là les gens. Démence majeure. Et oui, il dort par terre depuis tout à l'heure. Il faut que ce soit rare, ouais, mais on va aller chasser. Hein. Chasseur n'a pas. Ouais, mais alors. Ah oui, mais oui, oui, oui. Ah non. Mais parce que ça, c'est énorme aussi. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Lui, il a un arc et une épée. Ça. Voilà. Lui, elle, il a une masse et un arc. Elle, elle a rien du tout. Mais. Ah, mais ils sont en fabrication, je crois. Ouais, c'est encore en fabrication et on va mettre les arcs en double courbure. Il faut qu'ils les fabriquent. Et... Ah, encore fini. Le mineur, il est en train de finir ça. Pourquoi ils ont pas entamé le... Ah, mais il va s'en occuper. Vous voulez d'abord miner. Ah ouais, d'accord. Ouais. Trophée piège, ça c'est cool. Nourriture, ben, c'est en train de s'améliorer. Olsen est en train de ramener des trucs. Olsen, il guérit ou quoi? Peut-être commencer un petit peu. Alors. Bon, déjà, médiocre, horrible, on dégage.
La bière, on la dégage. Ambroisie. Ça rapporte énormément. Et... Ah, c'est carrément bon ça. Alors le pack de fumigène, je vais peut-être pas le prendre. Par contre, le revolver, oui. Canon renforcé. Pas pour le moment, je vais... Parce que là, elle a pas d'argent sur elle. Donc. Prends un canon. Quelques médocs et... ration sur lui. C'est parti. C'est cool. Du coup, alors attends. C'est qui est le meilleur en tir là? Tir 13. Voilà. Ok. Fini. Olsan, il va récupérer le revolver. Et du coup, elle qui avait pas d'arme, elle va récupérer le truc de Olsan. Je sais pas. Et notre petit Olsan, il a un revolver, ça va changer la donne, je crois. J'espère en tout cas. Et ça, on peut le virer ça. Regardez. Mettre un petit pot de fleurs à Olsan. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le mineur? Il discute à l'esclave, ok. Il dort. Okay. Il dort là. En vrai, le mineur, tu peux aller là. Hein. En attendant. Armure plate terminée. On va se faire les batteries. Ça va être bien important. Combien on leur demande de plats? 18, ouais, il ne fait pas 18. Qui c'est qui est cuisinier? On a l'esclave. Ouais, mais l'esclave il est malade, c'est pour ça que la cuisine elle se fait pas là. Ouais, c'est le doc qui s'en occupe, mais il n'arrive pas à tout faire quoi. Ok, fermier, ok. Ça avance plutôt pas mal quand même, je sais pas ce que vous en pensez là. Bon, la base elle ressemble à rien, hein, mais au niveau des colons, on avance plutôt bien. L'organisation est en train de petit à petit se mettre en place. Bon, j'aimerais bien qu'il me fasse cette partie là, qu'on ait des chambres un peu plus grandes pour les deux connasses là. Ils sont jamais contentes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le mineur, ouais, ce serait bien qu'il arrête de miner et qu'il. Je pense qu'il va s'occuper des chambres là à partir de maintenant. Ouais, il finit le piège et je pense qu'après il s'attaque aux chambres. Voir peut-être qu'il va faire les climatiseurs, je sais pas. C'est possible aussi. Ouais. Ouais, ouais, il va d'abord aller dans le sens où on avait demandé les choses, quoi. Ça paraît logique. Donc les climatiseurs, bon après cela dit, intérieur 17, les climatiseurs, on a plus trop besoin.
Un été là. Après cela dit, ouais, là ils sont régulés à 21, c'est très bien. Olsan s'occupe aussi de faire de la construction, ça c'est cool. Il va falloir faire passer les câbles électriques. Du coup ça on va pouvoir le virer une fois que ce sera fini. On va pouvoir agrandir notre hôpital, ça c'est cool aussi. C'est vrai qu'il était pas ouf. L'hôpital on va lui faire un sol aussi parce qu'il n'en a pas. C'est parfait ça. Ah ouais, le mineur coupe un arbre, par contre, il est pas doué. C'est pas la même. Là, on a du tissu. En vrai, maintenant, c'est quoi, là? Ouais, coton. C'est une production qu'on va arrêter, je pense. La bouffe se fait rare. Il va falloir aller taper de la gazelle. Hop. Ok. Ouais, les chambres, ça va être long à finir. Encore pas mal de taf. Les animaux bouffent énormément, je suis en train de me dire, parce qu'on avait du foin à la base là et on en a plus. Alors il y a ça qui reste, ça c'est mûr ou pas bientôt? Ouais, ça va nous sauver le cul quoi, sinon on va perdre tous les animaux. Attends, ils commencent à être nombreux, alors il n'y a pas beaucoup d'adultes. Ça graille. Ok, peut-être s'accélérer un petit peu le temps. Ouh, j'aime pas trop ça, il y a un putain d'orage. Qu'est-ce qu'elle a, elle a? Oui, mais elle est toujours malade en fait. Je te fais une chambre, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. On va se prendre une espèce d'éclair sur la gueule, je le sens bien là. Peut-être prêt à revenir sur le diable d'eau. Ah, ou peut-être la plantation d'arbres. Ouais. C'est pas mal. Ok, pour ça. Là, il va y avoir à manger dans pas longtemps. C'est cool. Dur là parce qu'elle est guérie. On va pouvoir manger correctement. Le moral va remonter. Ça va, ok. Fabriquer un casque basique. Ah oui, il faut que. Voilà, ça. On va se faire des batteries.
On va faire ça. Faire une petite zone ici. Allez, on fout, c'est obligé. Ouais, on va faire une petite cavité ici pour mettre les batteries pour l'éolienne. Ça va faire un stockage d'énergie. Oh putain, il y a le feu partout. Il y a le feu, il y a le feu. Et le moral des troupes étant en train de remonter plein pot, ça c'est cool. Les câblages électriques. Il va falloir faire une extension ici. D'accord. Faire un couloir. Voilà. Un petit couloir. Fermer notre base. Une fois que ça sera fait, on va miner cette merde. Il va peut-être falloir demander du bois aussi. Plus de bois. Ça va, y a un peu de viande d'avance. Il récolte du foin, c'est parfait. Bas véné. Arc. L'arc a été fait, ok. Ah, on doit pouvoir faire les armures plates aussi. Wow, yes. On va en faire. Faire 3. On va en demander 3 en tout cas. Un certain temps avant qu'elle soit finie, je pense. Parfait, la cavité est faite. Et on va faire. Batterie. Possible ça? Ah, je viens de réaliser que j'ai créé une cavité ici. Il n'y a même pas de porte. Des lits médicalisés pendant un certain temps, le temps qu'ils finissent de construire tout. Ok. Tout le monde est en train de pioncer là. Presque. À part les noctambules qui bossent comme des cons. Ah, ils sont trop contents d'être noctambules, c'est fou. Ok. C'est en train de continuer les chambres, ça c'est cool. Il va me falloir, dès que c'est fermé ici, on va miner cette partie. Hop, hop, hop. Ouais, parfait, on va lui donner l'ordre direct là. Voilà. Ça. Belle quête. Alors, ils veulent une. Ça peut être pas mal par contre comme quête. Ils veulent 10 par cas de qualité normale ou mieux. Donc, en gros, ici. On coupe, on demande 10 par cas. Ouais, c'est hyper intéressant ça.
On va tenter la quête. Par contre, une fois que les parkas seront terminés, il faut aller les chercher. Alors attends, parce que là, on va faire les cons parce qu'ils vont s'enfermer. Là, ça va plus. Nickel. Allez. C'est parfait. Du coup, ici, il va nous falloir des éclairages. Parfait. Encore de la bouffe, donc ça c'est bien. Il va falloir mettre un sol. Okay. D'ailleurs ici il va falloir mettre un sol aussi. Bon, ok, oulala, ça y est, je me suis encore enflammé. Ça fait plus de 40 minutes qu'on tourne là. On va s'arrêter là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Olsen? Ok. Ah, putain, il a encore dragué une nénette qui a pas bougé. Bon, et ça va aller. Hop, le mineur va finir de creuser le couloir. Je crois qu'il me fasse la porte ici, quand même. C'est safe. Et puis, on va être pas mal, hein, écoutez. Donc du coup les deux chambres à terminer, on va mettre les lits, la déco, on leur fera peut-être même une petite zone de jeu dedans, on verra, on leur mettra des statues, faire un truc bien comme ça, peut-être qu'elles seront contentes, elles seront plus jalouses de Olsan là avec sa chambre qui est certes un peu plus grande que les autres, mais bon, pas non plus un truc de fou. On a bien compris que les deux, c'était les casse-couilles. Hein. Bah écoutez, on va donc s'arrêter là. Je vous dis donc à une prochaine. C'était Olsan sur ImWorld. Ciao.